nous sommes et nous laissons la place pour Pasteur Bienvenu. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le roi des rois? Acclamons très très fort pour le roi des rois. Des honneurs d'applaudissements pour le roi des rois. Le seul qui mérite, le seul qui est digne d'être adoré, le seul qui est magnifié, le seul qui est digne d'être vénéré ce soir, Jésus-Christ, le roi des rois, Jésus-Christ, le Seigneur. Oui, nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, permettez-moi de partager avec vous ma joie. Quand j'ai vu un frère, je l'ai vu, j'ai dit, Seigneur, sois béni. Je parle du frère Manu. Vous savez pourquoi? Je l'ai vu marcher sans béquille. Bien-aimé, quand je pense là où Dieu a tiré ses frères, peut-être, ce n'est pas à moi de partager son problème. Mais je voulais dire seulement, quand je pense là où Dieu a tiré ses frères, jusqu'aujourd'hui, entré à l'église, en train de marcher. Oh, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour le frère Barbe? Seigneur, merci. Chacun de nous.
C'était un petit garçon. Il a eu pitié et pitié. C'est un enfant. Quand la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter ses enfants? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des sous. Je pense qu'en lisant, nous avons compris le pourquoi de cette question et chacun de nous a déjà trouvé. Ici, nous voulons parler de l'histoire de Moïse, de sa naissance. Et au travers de cette naissance, de cette circonstance de la naissance de Moïse, comment il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon pour tirer une leçon spirituelle. Et cette leçon spirituelle, où nous allons tirer notre texte, ou soit notre thème de ce soir, c'est la réaction de la sœur de Moïse vis-à-vis de la fille de Pharaon. Parce que cela était très important sur cette histoire et dans la pensée de Dieu. Et comprendre une chose, que Moïse ne pouvait pas être allaité par une autre femme, si ce n'est sa mère, si ce n'est un époux.
Mais Dieu voyait en Abraham le père des multitudes, l'homme de la fraternité. Bien-aimé, tu es abattu, mais tu ne seras jamais. Tu es combattu, mais tu ne seras jamais abattu. Ils peuvent te combattre à gauche, à droite. La Bible dit 10 000 viendront à gauche, 10 000 viendront 1000 à droite. Tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu te protège. On prend Moïse.
pas être nourri, ne puisse pas manger la nourriture des Égyptiens. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de Moïse. Et l'enfance de Moïse était très déterminante pour son avenir. Bien-aimé, ce que tu manges aujourd'hui déterminera ton avenir. Ce que tu consommes aujourd'hui déterminera son avenir. Quand maintenant Moïse était devenu grand, la réaction de Moïse n'était pas par rapport à ce qu'il avait vu, mais la réaction de Moïse était déterminée par rapport à la nourriture que Moïse avait mangée, à ce que Moïse avait reçu comme nourriture. Non seulement au-delà de la nourriture, Moïse avait reçu le conseil même de sa maman. Je vais te dire ça, nous allons lire ça. Et moi et toi, nous allons maintenant demander où est-ce que Moïse a eu ses instructions. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Moïse a reçu une telle instruction. Bien aimé, la révélation que Dieu nous a donnée, c'est que le lait maternel que Moïse avait reçu. C'est pourquoi la jeune fille est venue dire à la fille de Pharaon, veux-tu que je cherche une nourrice pour cet enfant? Pourquoi? C'est que Moïse a passé seulement son temps avec le lait maternel. Non, parce que la Bible dit, quand il était grand, la maman appelle, prend l'enfant, appelle la femme et la maman, il dit, prenez la fille. Pourquoi? Hébreux 12. Nous allons comprendre autre chose. Alors dans Hébreux 11, que sa maman lui a donné. Amen. C'est ce qui a aidé Moïse
savez que non, moi je ne suis pas égyptien. Je peux grandir dans la cour royale, mais je ne suis pas égyptien. Oh, je peux être comme Daniel. Je peux grandir aussi, être dans la cour royale, mais je ne me nourrirai pas avec les mains du roi. Daniel a refusé les mains du roi. Quand bien même il s'est retrouvé dans la cour royale. Bien-aimés, les laits dont nous parlons n'est autre que la parole de Dieu. C'est ce qui va nous rendre forts. C'est ce qui va nous aider à grandir dans la foi. La Bible dit c'est par la foi. Où est-ce que Moïse a eu cette foi? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Oh, alléluia. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la foi de Moïse est venue de ce que Moïse avait entendu. Peut-être que sa maman lui a raconté l'histoire. D'où ils sont venus? Où est-ce qu'ils étaient en ce moment-là? Bien-aimés, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ce qui a rendu Moïse inébranlable. C'est ce qui a donné la force à Moïse de tenir tête à Pharaon, à la fille de Pharaon, en lui disant, moi je ne serai pas ton fils. Quand bien même tu peux m'adopter, je ne serai pas ton fils. Ce n'est qu'en Afrique. Quand un enfant a été élevé par un bon père, il respecte même ses papas comme son père biologique. C'est une grâce. On peut dire seulement que c'est une grâce. Et la culture occidentale, un enfant est capable de dire n'est pas mon père. L'enfant peut avoir même l'âge léger, mais il te dit que t'es pas mon père. Mais où est-ce que l'enfant a pris ça? Peut-être a pris de sa maman. Peut-être l'enfant a pris à l'école. Peut-être l'enfant a pris ça à la rue. Chez les enfants, tu vois le papa là, en lunettes là. Ton père là, ni les lunettes, c'est pas ton père. Mais Moïse, sa source d'inspiration, c'était la nourriture. Car allaiter veut tout simplement nourrir. C'est-à-dire non seulement avec le lait maternel, mais toute autre nourriture que Moïse a reçue auprès de sa maman. C'est ce qui a permis à Moïse les trésors d'Égypte. Moïse n'a pas regardé la richesse royale. Moïse n'a pas vu tout cela. Moïse s'est dit, non, moi je préfère souffrir avec mes frères. Mais la Bible dit, il voyait la rémunération. Ses yeux étaient fixés sur Jésus. Mais en ce moment-là, on lui a dit, qui avait parlé, Moïse deviendra. C'était auprès de sa maman que Moïse a su qu'il y a un Jéhovah Jireh. C'était auprès de sa maman que Moïse a su qu'on a été délivré miraculeusement en Égypte. Bien-aimés, c'est dans la parole de Dieu qui nous rend inébranlable. C'est la parole de Dieu qui doit nous fortifier. C'est la parole de Dieu qui nous a aidé, nous aider à avancer. Oh, bien-aimés, des fois je regarde, je regrette. Je dis, Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur permet ce soir que nous puissions prier, implorer Dieu, demander la soif de la lecture, la soif de la méditation de la parole de Dieu. Nous nous réveillons chaque matin. Nous nous soucions même avant de dormir de recharger nos téléphones. Mais nous nous soucions moins de recharger notre âme de la parole, de recharger notre esprit de la parole. Nous nous séparons difficilement de nos téléphones. D'autres même à l'église. D'autres même à l'église ici. Ce n'est pas l'église de Paris, ce n'est pas l'église de Maroc. Ici, en plein culte avec son téléphone en train de tchatcher. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Le prédicateur a dit de pleurer quelqu'un, il est dans Facebook. Qu'est-ce que tu cherches dans Facebook? Qu'est-ce qui va t'édifier dans Facebook?
si tu as retenu cette semaine. Peut-être parlant de la semaine, c'est long. Ce matin, quand tu t'es réveillé, combien de versets? Mais tu oublies de la même manière les lèvres maternelles pouvaient déterminer l'avenir de Moïse. De même manière, les lèvres spirituelles qui est la parole de Dieu déterminera ton avenir sur cette terre. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu veux être demain se prépare aujourd'hui. Ce n'est pas dans le futur que tu prépareras ton futur, non. C'est dans le présent qu'on prépare le futur. C'est-à-dire, la vie éternelle doit se préparer maintenant. Les jours à venir se préparent maintenant. La parole de Dieu doit être notre désir. Nous devons désirer connaître Dieu. See?
début, il n'y en avait pas, mais vous voyez d'autres personnes aujourd'hui marcher contre le corps du monde. C'est préparé. C'est conçu. Ils ont fait ça sciemment, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Je ne défends pas la théorie, mais j'explique certaines choses pour nous ramener à comprendre. Maintenant, tu verras dans les informations du matin au soir, on nous parlera que Covid, 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 Covid. Maintenant, dans une psychose, la peur. Regarde comment vous êtes masqués. Je bénis le Seigneur parce que les oreilles ne sont pas masquées. Parce que si les oreilles étaient masquées, bouchées, ça allait être grave. Pourquoi? C'est la peur. Les gestes des barrières, je vais respecter. Distanciation sociale, je vais respecter. Mais je n'ai pas peur du Covid. Je n'ai pas peur. Pourquoi? Dieu est mon protecteur. J'ai un masque spirituel. J'ai le gel hydroalcoolique spirituel. Plus puissant que ce que les pharmaciens nous proposent. Le sang de Jésus. Que j'applique chaque matin dans les mes mains. Des fois au boulot, on ne respecte pas les gestes des barrières. On ne respecte pas. On se retrouve dans les vestiaires, on ne respecte même pas. Plus de 20 personnes confinées dans un même vestiaire. Pourquoi? Parce qu'ils voient les intérêts de la production. Il n'y a que Dieu qui nous protège. Mais ça lui est, pardon, Covid, Covid. Et ça, créer la psychose. Pour tous, on a subi cela. On a été victime de toutes ces choses-là. Tu vois un chrétien par manque d'informations. Il vient chez le pasteur prie pour moi. Je ne conçois pas. Le pasteur dit lui, oui, ma sœur, viens dans mon bureau, je vais prier pour toi. Ça s'est fait, ma sœur, même si c'est du nom de Jésus, ça s'est fait. Tu te vois les chrétiens même s'est laisser même coucher avec l'homme de Dieu. Mais tu te laisses parce que tu n'as pas l'information de la Bible. Où est-ce que c'est écrit? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous ne prenons pas les idées parce que je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est ça. Qui est la parole de Dieu? Mais j'aimerais que tous nous puissions avoir les sentiments qu'avaient les chrétiens de Béry. La Bible dit, quand les apôtres prêchaient et ouvraient leur Bible, ils vérifiaient ce que les apôtres étaient en train de dire était vrai ou faux. C'est l'attitude que nous devons avoir à l'église. Sûr que ce que Jésus est en train de lire, c'est ce qui se trouve aussi dans votre Bible. Mais si tu n'as pas la connaissance, je peux venir, je peux te raconter n'importe quoi. Des fois, on raconte n'importe quoi, les gens crient, oh Amen, Akula papa, Akula. Mais tu cherches cela dans la Bible, il n'y en a pas. Mais les gens qui crient, prêche, 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 ils n'ont pas la connaissance. Prends la Bible dans Luc 4, chapitre 11, je vais terminer par là. Ce qui a déterminé le ministère de Jésus, c'était la tentation. Parce que le diable a cherché Christ dès le début. La victoire que Christ a remportée ce jour-là à la montagne était déterminante pour la croix. Luc 4, chapitre 11. Pardon, chapitre Luc 4, verset 11. Thank you.
l'évangile est équilibré. L'évangile touche l'âme, touche l'esprit, touche le corps. Jésus est venu, il a répondu aux besoins spirituels. Jésus a répondu aux besoins physiques. Jésus a répondu aux besoins matériels. Il a répondu aux besoins financiers. C'est ça l'évangile. Mais depuis que tu as commencé à manger, d'autres même disent que les corps ne disent même pas merci. Le ventre là, s'il pouvait dire, ne suffisent qu'un jour merci de tout ce qu'il a consommé. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Dis à Dieu seulement une chose. De la lecture, que nous ayons la soif de la lecture de la parole.